Et bonjour à toutes et à tous, c'est Fernium aujourd'hui, content de vous retrouver pour ce quatrième épisode sur Minecraft Portal Hall of Science. J'espère que vous allez tous et toutes bien. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir laissé notre cube lesté. Et voilà, GLaDOS nous a dit qu'on était les premiers à avoir détruit le cube aussi rapidement. GLaDOS truc craché quoi en gros. Bon, pour le coup, la série va passer en 720p 30fps. Je ne peux pas faire mieux en termes de qualité. Avant, je pouvais faire du 1080p 60fps avec du bitrate de ouf. Et là, pourtant, je suis toujours sur le même PC, mais il veut plus. Il a plus envie de donner autant de qualité. Donc, normalement, cet épisode-là devrait être mieux que le précédent. Pas 2080p, du coup, pour Minecraft. Et d'ailleurs pour les autres séries aussi, je pense que ça va être un peu pareil. Mais enfin bref, on va faire avec. Et puis bah, c'est parti pour la suite. Alors par contre, je check rapidement ce que mon PC me dit. Hop, c'est parti. Bon, pour l'instant, il a l'air de me dire que tout va bien. Ok, donc le 720p en fait, il y arrive. Ou alors c'est tout simplement Java qui est optimisé comme de la merde. Hop. C'est parti, let's go. Hop là, là ça doit faire là au moins la cinquième fois que je recommence cet épisode. Donc enfin bref. Hop, voilà, nous sommes en haut. Maintenant on va dans la salle de la mort. Qui se trouve ici même, et ah ouf, parfois ce truc là il se lance pas, du coup c'est un peu chiant. On va s'occuper des tourelles. Hop là, non, là ça je me souviens, c'est comme ça. Et voilà, et là bim, du coup on a le petit cube, ça c'est pour ouvrir la porte. C'est ouvrir la porte aussi. Voilà. Et activer tout ce bordel. Là, on va faire ça. On va espérer. Alors là, ça se joue au bol de cul. Oula. D'accord. Je me suis trompé de... Alors attendez. C'est le bleu qu'il faut que je mette. Hop. Nickel, nous avons le cube, on va utiliser une technique qui je sais pas si elle est prévue par le créateur de la map, mais je ne pense pas. Et là, on va tout simplement passer de l'autre côté. Voilà. Hop, avec le cube bien sûr qui fait un peu chier. On va poser le cube là et on va réactiver, hop, le petit bouton pour ouvrir la porte. Nickel. Nickel, oui. Ensuite, on va tout simplement mettre un portail là. On va aller de l'autre côté. Et hop. Voilà. Alors, première partie de ce level terminé. La suite est assez simple. Donc ouais, hein, pour le coup, je speedrun un peu. Enfin, speedrun, c'est vite dit, hein. Hop. Hop. Nickel. Niveau terminé. À chaque fois, j'appuie sur le bouton par réflexe. Beau travail. Le test se déroule bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce constat et que cette phase de test ne vous convient plus, merci de le signaler dans le formulaire disponible à la fin de la phase de test. Ok. Très bien. Je l'ai lu je sais pas combien de fois. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait une pause entre deux, hein, rassurez-vous. Donc là, oui, j'en souviens, c'est très simple. On va, hop, mettre le petit... voilà, décaler le petit truc en bas. Là, ça va passer en dessous. Ça, c'est pas bon, ça. Allez, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Là, ça devrait être ok. Là, ça devrait être ok. Nickel.
Hop, on a le cube. On va faire passer le cube de l'autre côté. Comme ça. Et là, à chaque fois, j'ai peur de faire de que le cube touche le portail, du coup. Voilà. Nickel. Les salles qui vont suivre nécessiteront toute votre attention. Il vous faudra utiliser toutes les notions vues jusqu'à présent pour conclure ces salles. Bon courage. Ok. C'est quelle salle? La salle numéro 21. Ah oui, 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 oui. Je m'en souviens. Elle est pas si compliquée que ça, celle-là. Il va falloir qu'on fasse ce cube-là. Ce cube-là qu'on va prendre comme ça. Hop. On utilise le cube. Alors là, c'est la partie la plus chiante. C'est vraiment la partie la plus chiante. Ah bah. Ok, nickel. Et ce cube-là, on peut faire réapparaître en appuyant sur le bouton. On va l'emmener en bas. Parce que oui, en bas, faut mettre un cube aussi. Il faut d'ailleurs faire passer le... La bouboule qu'on a vue en haut. Alors du coup, là, j'ai le bleu. On va mettre le jaune, du coup. Hop. Hop. Et là, à peu près, je dirais nickel. Nous avons normalement activé l'autre cube qui est ici. Ah merde, voilà. Bon, à la force de faire les niveaux, on commence à les connaître un peu par cœur, quoi. Hop, ça ouvre la porte qui est en haut. En haut, on va y aller comme ça. Voilà, à condition de viser le trou. Nickel. Et là, le principe, ça va être de ramener les deux cubes ici. Du coup, hop, on va... Faut le faire dans l'ordre. Parce qu'en fait, si on récupère un des cubes, ça ferme le... Oui, non, mais on s'en fout. J'ai normalement, j'ai bien fait le truc. Donc, tout devrait bien se passer. Le premier, on active le deuxième. On met le portail ici. On n'oublie pas de rentrer avant que les portes se ferment. On va là. On refait respawn le cube qui, normalement, c'est le cube d'en bas. On va mettre le portail là. On prend le cube, on va en haut. Et boum! Nickel! Du coup, ça ouvre en haut. Hop, le portail. Ah non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Hop là. Le petit portail ici. On appuie sur le bouton pour ouvrir. Et on va tout simplement faire exactement comme... comme on a fait pour aller en haut. Et là... Hop, nickel, et voilà, niveau terminé. Bon, et bah ça a été beaucoup plus vite que la dernière fois. Hein. Oui, nous sommes à 10 minutes d'épisode, on a encore beaucoup. Attention, préparez-vous à vous-même. Donc, oh, ok. Je me demande si cette map se passe en parallèle avec... le jeu Portal en lui-même. C'est une question que je me pose. Salle numéro 22. C'est quoi déjà? Oh, la salle de l'enfer. Ok. Oh non, je l'aime pas. Je la déteste. Je la déteste. Hop. D'accord. Bon bah voilà pourquoi je la déteste. Alors, parfois ça passe pas, donc voilà, on va là en bas. On va recommencer. On va faire ça jusqu'à que ça passe, hein. Nickel, c'est passé. Bon. Là, hop là, le cube ici. Oui.
On va mettre le cube, enfin le portail bleu là-bas. Pour passer là. Hop là. On descend. On va là. Donc encore une fois, si vous avez des ralentissements durant la vidéo, je m'en excuse. J'essaie de trouver des alternatives. Mais il semblerait que mon PC est en mode rebelle. Là, on va essayer de mettre un peu le portail de côté là. Non. Parce que là ici, je vous avouerai que je sais pas du tout comment faire pour. Alors oui, d'accord. Normalement, c'était censé activer la bouboule. Mais on va plutôt. On va plutôt emmener le cube en bas. Non. S'il te plaît. J'essaie de viser entre les deux en fait quoi. D'accord. Mais. Normalement on peut pas faire comme ça. D'accord, donc là on peut pas en fait. Non, il aurait fallu que je sois de l'autre côté. Et qu'on fasse pareil, mais descendre en chute libre avec le cube, c'est jamais une bonne idée. Parce que la physique du cube nous fait faire n'importe quoi. Ok, on a le cube. Ça, c'est bon. Hop. On active ça. Normalement, ça devrait être ok pour le truc. Et je me demande si j'ai le bon pack de textures. J'en ai aucune idée. Normalement, voilà, on est censé avoir. La bouboule. Qui s'active, non? Si. Pardon? Je me suis trompé de. D'accord. Viens-moi. Voilà, oula. Donc ça, une fois sur deux, ça passe, une fois sur trois, ça passe pas. Ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens, mais et merde. Mais c'est pas grave. Nickel. Et là, ça fait apparaître un cube qui est en bas, du coup, on retourne le chercher. Hop. Oui. Voilà. On retourne en haut, on n'oublie pas surtout pas de réactiver la bouboule parce que je suis mort je sais pas combien de fois à cause de ça. Hop, on s'accroupit pour pas tomber comme une grosse. Comme un gros caca. Et on va céder de ça pour passer. Voilà. La boule n'est pas là. On retourne de l'autre côté. Hop là. On met le cube ici. Et ensuite, comment on se rend en haut? Ah oui, on se rend en haut comme ça. Bah oui. Bah oui. J'avais oublié. C'est marrant. Oh putain, j'ai réussi. À chaque fois, je stresse. J'aime pas. Je déteste ça. Je déteste. Alors, impressionnant, en accord avec le protocole de test déjà cité, vous devez savoir que la salle que vous venez de passer n'avait pas été conçue pour être réussie. Dans un certain sens, vous venez donc d'échouer. Dommage pour votre dossier. Hein. Mais on a réussi à la faire, donc du coup, voilà. Bon, bah écoutez les gens, on va donc se laisser ici même, à la salle numéro 23. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Salut tout le monde!